Les meilleurs bacheliers promotion 2023-2024 de Logo et Vindo ont été entretenus un mois durant du 19 août au 19 septembre sur la bureautique et les techniques de l'information et de la communication. Une formation utile pour le cursus universitaire qu'ils vont aborder dans l'enseignement supérieur. Une initiative en droite ligne avec la politique éducative des autorités de la transition à l'endroit de la jeunesse scolarisée du Gabon. Il est impératif de souligner que la bureautique, branche essentielle de l'informatique, est une discipline à caractère pratique qui confère aux apprenants la maîtrise de l'outil informatique ainsi que des logiciels incontournables tels que Word, Excel, PowerPoint, Publisher, tout en leur permettant d'explorer les ressources infinies qu'offre l'Internet. Cette action de l'initiative 6 a pour objectif d'arrimer ces jeunes aux règles actuelles en matière de maîtrise de l'outil informatique, à l'heure où le monde tente à se digitaliser. On a débuté avec la distribution des ordinateurs pour une formation en informatique. Et aujourd'hui, c'était la remise des parchemins concernant cette formation informatique que les jeunes bacheliers de la province de Logo et Vindo ont reçus. Une énième action qui prône l'excellence à l'endroit des jeunes ogivins scolarisés de grandir et surtout de se familiariser avec l'outil informatique utile pour le reste de leur future carrière estudiantine et même professionnelle. Avoir ce genre de formation, il faut disposer des moyens financiers. Et on sait très bien que les formations en informatique coûtent souvent très cher. Mais grâce à l'association Initiative 6, et à l'Institut ITER, nous avons pu bénéficier de cette formation gratuitement. L'étape de ce jour vient compléter l'activité initiale portée sur la distribution de l'outil informatique du type et une formation dans un institut de la place, et ce, en vue d'initier, de booster et d'approfondir les connaissances de ces jeunes étudiants à l'univers estudiantin et même aux activités génératrices de revenus.